OpenBIMSite est un logiciel créé pour définir les conditions initiales du site d'un projet. L'interface utilisateur dispose d'un espace de travail 3D où il est possible de réaliser une modélisation réaliste de l'environnement et de visualiser les informations stockées dans le projet BIM. Le logiciel comprend la connexion à différents services web d'organismes officiels afin de faciliter la saisie des données du site, ainsi que l'obtention de cartes et de surfaces topographiques. Dans la configuration générale, nous établissons l'emplacement géographique pour définir le lieu du projet. Pour ce faire, nous entrons la latitude, la longitude et l'altitude du site, l'orientation du nord, les coordonnées du projet et son adresse postale. Nous créons les cartes de l'environnement en utilisant des données et des ortho-images provenant de services web et en important des fichiers de différents formats. Nous utilisons des surfaces topographiques et des courbes de niveau pour représenter la topographie du site. Pour obtenir ces surfaces, nous avons différentes possibilités. Tout d'abord, à partir de la géolocalisation du projet, nous pouvons importer les surfaces directement depuis les services de couverture web. Ensuite, nous pouvons importer un fichier de points au format CSV ou TXT, séparé par des virgules, à partir duquel les surfaces et les courbes de niveau seront automatiquement générées. Comme dernière option, nous pouvons ajouter les surfaces et les courbes en entrant manuellement les valeurs de chaque point. De même, nous avons l'option de générer des éléments du site, tels que des parcelles et des bâtiments. Les parcelles sont définies par la saisie des contours 3D, tandis que les éléments sont définis par leurs contours et leur hauteur. Nous pouvons projeter les contours des parcelles et des bâtiments sur le terrain pour obtenir des représentations réalistes de l'environnement. En hébergeant les informations sur la plateforme BIM Server Center, elles deviennent partie intégrante du flux de travail collaboratif fourni par la technologie OpenBIM. Ainsi, après avoir défini la localisation et le site du projet dans OpenBIMSite, nous pouvons concevoir le modèle architectural dans Cipé Architecture. De même, nous pouvons profiter de ces informations pour effectuer ultérieurement le calcul de l'éclairage naturel ou l'analyse énergétique du projet avec d'autres logiciels.